Bienvenue sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour vous parler des produits que j'ai choisis lors de mon partenariat avec la boutique Mes Jolies. Alors, depuis quelques temps, j'ai décidé de prendre en dehors ou parfois en plus des produits pour les ongles, des produits de papeterie, de décoration, voilà, pour pouvoir les tester, car il y a tellement de choses sympathique sur cette boutique que je me suis dit que c'est pas parce que j'ai faisais du nail art, des poses de vernis, de la beauté que j'allais me contenter de tester des produits dans cette catégorie. Et donc je prends d'autres choses afin de pouvoir vous donner aussi mon avis et que vous ayez comme ça plus de choix et plus d'avis sur plus de produits. Alors je vais d'abord commencer par ceci. Alors, par ceci. Voilà. Donc, alors, c'est un sticker mural amovible. Donc, on peut le décoller et le remettre dessus pour pouvoir le remettre autre part. J'ai choisi ce design là. Donc voilà, je vais vous montrer en photo de plus près ce que ça donne. Voilà, donc alors il y a beaucoup de choix, vraiment beaucoup, je trouve ça bien. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester pour mettre dans la chambre sur le placard du fond. Donc là, je me suis dit, bah, écoute, c'est l'occasion, teste comme ça, tu verras si ça tient bien, si ça se pose facilement, comment ça va arriver, si les couleurs sont bien, si ça représente, si c'est bien comme le modèle présenté. Donc voilà, alors quand je l'ai reçu, c'est vrai qu'il est très bien. Le seul bémol, c'est juste qu'on le reçoit comme ça. Donc plié, ce qui fait que quand on le déplie, il y a quelques endroits du sticker qui sont un peu pliés. Mais bon, une fois que c'est posé, il faut quand même appuyer un petit peu plus fort sur les zones qui se rebiquent et après ça tient, hein. Ça se remet facilement en place. Mais c'est vrai que bon, après peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité. Il faudrait qu'il y ait une enveloppe qui soit aussi grande que ça pour éviter que ça se plie. Mais bon, voilà. Après, c'était juste le seul petit bémol. Parce que sinon, moi, j'ai réussi à les remettre de façon à ce que ça tienne. J'ai juste appuyé un petit peu plus fort et un petit peu plus longtemps. Et voilà, ça s'est remis facilement. Donc, ben, ce que j'en pense, je trouve ça très bien. J'ai réussi à appliquer ça facilement. Ça tient bien sur la porte du placard. Les couleurs sont vraiment très jolies. Je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai pris une photo de près et une photo de loin pour que vous voyez ce que ça donne une fois posé. Voilà, donc vous pouvez constater quand même que le rendu est pas mal du tout. Je pense que personnellement, en payant bien sûr, comme il m'arrive de passer quelques commandes sur le site, je recommanderais peut-être un ou deux stickers pour décorer un petit peu sur d'autres endroits pour voir un peu ce que ça donne. Mais sinon, en attendant, celui-ci, je suis vraiment ravie. Je le trouve très joli. Comme je vous ai dit, vous avez beaucoup de choix. Il y en a. Après, c'est un peu classé par catégorie. Enfin, car par catégorie, c'est dans la décoration. Mais vous en avez plus qui sont pour la cuisine, plus pour les enfants. Voilà. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Vous pouvez choisir. C'est bien. Sinon, ben, rien de plus à dire. Voilà, moi je suis amplement satisfaite. Je le trouve vraiment très très bien. Ensuite, j'ai pris deux petites choses dans la catégorie, je sais pas, j'irai un peu papeterie. Donc, je me suis repris un marque-page qui se présente dans un petit paquet comme ça. En fait, c'est un marque-page de la collection Vintage Bookmaker. Et ce sont des marque-pages qui sont en bois, enfin, vous savez, le bois très fin, un peu style liège. Et donc moi j'ai choisi ce modèle-ci et je le trouve super pratique et il est vraiment très très bien parce que je le mets
dans mon agenda et voilà. Impeccable, je n'ai qu'à le prendre, je retrouve de suite ma page, il ressort juste ce qu'il faut. Dans le sac, il ne se plie pas parce que je peux, même si je veux, voilà, le baisser un peu, mais je le vois quand même sortir, donc je trouve facilement ma page, je le trouve vraiment très très bien. Il y avait d'autres modèles assez sympathiques. Voilà, donc celui-ci, je pense que je dois pouvoir l'attacher. Oui, je pense que je vais pouvoir l'attacher en mettant juste une petite ficelle qui passe là. Et comme ça, je pourrais le mettre, l'accrocher pour pas risquer de le perdre. On ne sait jamais. Mais sinon, en attendant, c'est vraiment super pratique. Voilà, moi, il me sert pour mon agenda et j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un lot de stickers que j'ai mis dans mon agenda parce que je les ai pris exprès pour ça. Voilà, j'ai pas eu besoin de chercher où je les mettrais. Il y a un gros et quatre petits en longueur. Je les ai trouvés super mignons. Ils rentrent, ils ont trouvé tout de suite leur place. Je les ai mis au fond de mon agenda. J'ai mis un petit peu de scotch en haut comme ça, ils ne glissent pas et voilà comment ils se présentent. Alors j'adore parce que en fait, je me sers des petits pour marquer par exemple les jours, surtout les anniversaires ou les fêtes. Et je trouve, bah, d'ailleurs celui où j'ai le marque-page, j'en ai un, vous voyez. Je choisis et je le mets ici et je sais, voilà, pour les anniversaires je rajoute dessus, si c'est une fête je mets rien, je sais que c'est une fête, mais je trouve très pratique parce que voilà, je l'ai fait bah là aussi comme ça, je choisis un peu comme je veux, voilà. Vous voyez, voilà, je trouve ça très pratique. Et ensuite les grands, c'est pour rajouter aussi dessus parce que bien sûr j'ai quand même la partie bloc-notes hein, dans mon organiseur, mais des fois, j'ai juste besoin de mettre pour la page, j'ai pas besoin de prendre toute la feuille bloc-notes. Hein, pour mettre par exemple, si j'ai un appel urgent à passer ou à me retenir juste un numéro ou transmettre juste un message ou me rappeler à faire telle et telle chose telle journée ou une liste pour telle journée pour éviter de prendre tout mon bloc-notes parce que je préfère le garder pour les choses vraiment importantes et que je dois garder dedans. Donc je prendrai cette partie-là et je pourrai me la mettre là. Voilà, je trouve vraiment très pratique. C'est pareil, il y a beaucoup de choix en papeterie là-dedans aussi, que ça soit, vous avez beaucoup de sortes, plein de sortes de stickers et franchement ils sont très très bien, ils tiennent bien, hein, parce qu'ils auraient pu glisser, pas du tout. Ils tiennent vraiment très très bien. Voyez, là je secoue, le marque-page ne tombe pas. C'est vraiment parfait. Voilà, donc pour ces trois petits produits, voilà, moi je suis amplement satisfaite. Il y a d'autres choses aussi que je voudrais, voilà, que je voudrais tester pour pouvoir vous en parler. Bien sûr, j'ai pris d'autres produits hein, pour les ongles, mais bon, ça, vous pouvez les voir mon avis sur le blog. Une revue. Une vidéo tuto NaiArt va arriver avec justement mon avis sur. Alors je vais vous montrer quand même sur ce lot de strass qui sont plus ou moins faits pour faire les bijoux. Donc comme ça je vous donnerai mon avis. Excusez-moi. Voilà, je les ai pris aussi bien sûr sur la boutique. Et donc le tuto arrivera si je, dans le courant de la semaine si je. Si j'ai le temps de vous poster la vidéo parce que je l'ai déjà faite, comme ça vous aurez aussi mon avis. Pour les autres produits, vous les avez sur mon blog. Je vous mets bien sûr sous la barre d'infos le lien pour retrouver ces produits. Comme ça, vous y aurez aussi les prix. Donc là, moi, il fallait que je choisisse comme depuis quelque temps dans la catégorie nouveauté. Vous avez énormément de choses. Voilà, je vous mettrai donc les liens pour que vous puissiez retrouver facilement les produits. Vous avez aussi bien sûr noté dans la barre d'infos tous les codes promo que vous pouvez avoir, notamment les moins 10% sur la boutique Néjouli, valable sur tous les produits, sauf bien sûr si ce sont des produits en promotion. Vous avez toujours les frais de port qui sont gratuits.
pas de minimum, pas un montant, pas de minimum d'achat pour avoir les frais de port gratuits. Ça arrive sous 3 à 4 semaines, ça dépend, voilà, ça dépend. Sinon, ben voilà, moi jusqu'ici, c'est vrai que je suis très satisfait. Ça arrive satisfaite, pardon. Ça arrive toujours très très bien emballé, vraiment très bien emballé. Je n'ai jamais eu aucun souci sur les produits. Voilà, comme je vous dis toujours si ça marche ou pas, si j'aime ou pas, s'il y a un petit bémol ou pas. Comme pour le petit bémol, voilà, pour le sticker. Mais comme je vous dis, j'ai réussi à rattraper la chose, donc pas de souci, ça a très bien, ça tient très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez testé d'autres produits de la gamme aussi dans ce style-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'irai voir vos avis car c'est toujours voilà, intéressant de pouvoir avoir un avis avant de tester ou de commander quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.